Et à tous, bienvenue en notre maison commune, la mairie de Marc, pour la célébration du mariage de Loïc et Anaïs. Bienvenue à vous, les futurs mariés qui avez décidé aujourd'hui de vous engager l'un envers l'autre. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de célébrer votre mariage aujourd'hui. Outre le fait que vous soyez des habitants de la commune de Marc, je vous connais. Je connais également vos familles, donc c'est un réel plaisir pour moi de célébrer votre mariage aujourd'hui. Bienvenue également aux témoins. Vous qui avez décidé de les accompagner dans leur démarche aujourd'hui de mariage, et bienvenue aux familles des mariés, proches et amis qui sont présents aujourd'hui dans la salle. Alors nous sommes en possession des pièces nécessaires, toutes les formalités étant remplies, nous allons procéder au mariage de Monsieur Loïc Hasbrouck avec Madame Anaïs Lévis. Veuillez nous faire connaître s'il a été fait un contrat de mariage. Conformément à la loi, nous allons vous donner la lecture prescrite par l'article 75 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi numéro 2013-404 du 17 mai 2013, les dispositions du Code sur les devoirs et droits respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Nous allons passer au consentement des futurs époux, des futurs, parce que c'est pour très bientôt. On va commencer par vous, Loïc. Monsieur Loïc Hasbrouck, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Anaïs Lévis, ici présente? Oui, je la veux. Vous avez bien entendu, non? Madame Anaïs Lévis, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Loïc Hasbrouck, ici présent? Oui, je le veux. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Félicitations, vous pouvez vous dire. Vous allez pouvoir tous et toutes vous rasseoir. Je vais faire la lecture de l'acte de mariage. Avant de passer aux signatures. Alors, lecture de l'acte de mariage.
Le 20 août 2022, à 15h00, devant nous ont comparu publiquement la maison commune M. Hasbrouck Loïc, né le 17 juillet 1996 à Calais, de profession policier adjoint, domicilié 281 rue Calmette, appartement 2 à Marc. Fils de Frédéric Hasbrouck, chauffeur-livreur en retraite, et Sylvie Tassard, domiciliée à Marc, 20 rue Claude Varoquier. Et Madame Lévis Anaïs, née le 12 janvier 1996, c'est la meilleure année parce que je suis née en 1996. Blague à part. À Calais, profession assistante d'éducation, domiciliée 281 rue Calmette, appartement 2 à Marc, fille de Fabrice Lévis, principal de collège, de Graziella Potier, fonctionnaire territorial domicilié à Calais, 107 rue Alexandre Dumas. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de témoins majeurs. Madame Julie Lévis, aide médico-psychologique, domiciliée à Marc, 123 Allée des Pinsons. Théo Lévis, étudiant, domicilié à Toulouse, Haute-Garonne, 60 rue des Amis Douaniers, bâtiment C, appartement 72. Michael Farou, facteur, domicilié à Calais, 181 rue André de Rhin. Et monsieur Alain Vérec, électricien, domicilié à Pont-de-Cherbuy, dans l'Isère, 80 rue de la République, Villablune. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous, Quentin Luyeuf, adjoint officier d'état civil par délégation du maire. Alors, on va procéder aux signatures. Vous avez le temps, bien sûr, de faire toutes les photos et de filmer avec les crayons que vous remettez en souvenir de votre mari. On a chacun un crayon. Allez, je vous invite à prendre le temps. On va commencer par vous. On va juste là, en haut, et bien la douche, là et là. Les deux signatures. Vous pouvez bien regarder là, également les photos. Ensuite, aux témoins avec vous. Applaudir.
action et bonne continuation à vous.